La société française, pourquoi pas, pourrait être prête à instaurer un vote obligatoire, mais je ne pense pas que la société française soit prête à accepter les sanctions que suppose ce vote obligatoire. Et je ne crois surtout pas que le vote obligatoire permettrait de résoudre la crise de la représentation politique à laquelle est confrontée la société française. Le vote obligatoire ne résout pas, en tout cas, la question de la défiance politique et de la crise de la représentation politique, et peut même déboucher sur un surcroît justement de vote et d'expression protestataire du vote, comme le vote blanc ou le vote pour des partis extrémistes. L'Australie, c'est pas du tout le même pays que la Belgique ou encore que le Luxembourg. À chaque fois, l'histoire de l'instauration du vote obligatoire prend sens évidemment dans l'histoire politique de ces pays d'une façon sûrement très différente. Hein, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est prévu par la constitution de ces pays. Nous, pour l'instant, en France, ce n'est non seulement pas notre tradition historique, notre culture politique, mais c'est surtout pas prévu par la constitution. Donc c'est un grand changement en fait de paradigme. Hein. Sans bandeau, sans et tout, de le faire en disant leur colère, mais sans...